Oh purée. Oh, non. Survivant de l'enfer. Quel... Et salut les gens, on se retrouve pour le deuxième épisode de UHC. Donc aujourd'hui, le système je l'ai fait, hein, le système de récolte 5 SP pour stuff je l'ai fait. Parce que je l'ai fait hors caméra parce que sinon c'était trop long à faire en caméra. Mais je vais quand même vous expliquer, ne vous inquiétez pas. Hein. Si ça va rien faire, j'espère. Donc là ils arrivent. Ici, il y a de la lave. Voilà. En dessous il y aura de l'eau, mais j'ai pas encore mis. Donc ici ils crèvent. Ensuite les items sont menés là. Hop, 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 hop. Et là, on a le méga système de la mort qui tue. Et oui. Alors, en fait, c'est un ascenseur à item que j'ai réalisé moi-même. Donc, c'est pas au top du top. Mais bon, voilà. Donc, là, il faudra boucher parce qu'il y a l'eau qui arrivera, sinon on est dessus. L'eau arrive avec les items arrivent, hop, ils tombent. Bon, c'est pas le meilleur système qui existe, hein. Le stuff arrivera un peu en retard parce que... Quand mes deux items s'activent qu'une fois. Faudra que je trouve comment on fait ça, mais je vais l'arranger, hein. Je vous montrerai. Et bon, s'il arrive du stuff en continu, ça va pas poser de problème. Donc le stuff arrive ici. Dès qu'il y en a deux, il calcule, hop, hop, j'active, hop, je vais là. Je traverse ici. Alors j'oublie de reboucher. Hop, je traverse ici, j'arrive là, hop. Et là, je vais alimenter toutes les blocs des torches pour qu'elles s'éteignent et qu'elles se rallument. Comme ça active les droppers et les items peuvent monter. Donc voilà, pour cette partie on a fini, je vais boucher. Ici ça passe pas de problème. Ici non plus. Là on peut aussi. Hop, on fait ça. Comme ça, on est sûr qu'il n'y a pas de problème. Hop, voilà. Non, pas là. Parce que... Voilà. Ça devrait être bon. Ensuite, on va chercher un peu d'eau. Je mets l'eau et après, je vous montre comment ça marche. J'ai mon seau d'eau. Comment ça marche au-dessus, je veux dire. Et là, quand je mets ici, normalement ça va. Voilà, ici. Hop. Pourquoi ça fait ça? Comme ça. Et voilà, ça arrive directement au truc. Bon, maintenant faut que je sorte. Hein. Ici, on va éviter de sauter pour finir comme un squelette. C'est long. Voilà. Donc, le mode récolte de stuff est terminé. Ça c'est fait. Ensuite, il va y avoir le mode XP. Alors là, ça va être carrément plus galère. Carrément, carrément galère. Mais d'abord, faut vous montrer le mode récolte. Parce que ça marche toujours ça. Ouais. Voilà. Alors, le mode récolte. Hop. Les items sont droppés ici. Hop, ils arrivent et hop, ils arrivent dans les droppers. Dans les entonnoirs. Ils arrivent dans le coffre d'en bas. Et dans le coffre d'au-dessus, on mettra les stuff, les trucs rares. Voilà. Donc maintenant, on peut refermer. Oh, attendez, est-ce que j'ai pas de la jolie cobble? Hop. Donc voilà, c'est fini pour le mode. Pour le mode récolte. Et nous revoici sur le serveur. Donc finalement je vais changer. On va pas faire un. On va pas faire un. Attendez, j'ai rangé ça. Ça fait moche. Sans boucher.
Voilà. On va pas faire des squelettes qui tombent de haut. Parce que j'ai remarqué que ça serait trop galère. Mais on va faire un grinder. Donc le grinder de Zephyr. Donc d'abord je vais vous montrer le truc. Donc les squelettes spawnent ici. Attendez, ça faut que je rebouche. Bon là il y aura de l'eau hein, qui les amènera là-bas. Hop, il tombe là. Là c'est un mode XP. Hein. Hop. Donc ils sont transportés là, on va aller plus vite. Ils avancent jusqu'à là, hop. Parfait. Ils continuent d'avancer. Hop, là ils tombent là. Et là, il n'y aura plus qu'à activer le grinder. On pourra récupérer. Et ça les mettra à un cœur de vie. On n'aura plus qu'à taper une fois et hop, c'est bon. Donc voilà, c'est le grinder de Zephyr. Vous irez voir sa vidéo. Donc là, il faut fermer. Hop, et hop. Ensuite, on ferme là. Et pour éviter tout problème avec la lave, on va mettre ceci. Ainsi, on pourra la taper, regardez. Bon, il faut peut-être que je mette dessous de lave. Hop. Voilà. Donc maintenant, on a plus qu'à enlever les torches, mettre de l'eau et le spawner sera terminé. Allez, je m'occupe de ça. Donc on met de l'eau, hein. Hop. On récupère. Oula. Qu'est-ce qu'il fait lui? Qu'est-ce qu'il fait toi hein? On peut savoir ce que tu fais. Allez, va dans ma truc là. Évite de me tuer déjà. Ah, j'aimerais atteindre hors de l'eau. Attendez, voilà ce qu'on va faire. Hop. Plus facile. Oh, il va quand même pas me tuer là. Bon, mais je crois que je vais crever. Hein. Oh, non! Ouf, allez hop. On fait ça. Je n'ai pas de vie. Je n'ai pas de quoi me remettre de la vie. Une épée peut-être. Mais j'aurais aimé qu'il aille dans le système, comme ça ça montre. Faudrait que j'arrive à me poser de l'eau sans me prendre de flèches. Il est où? Il est là. Ça, il faut casser. Si on veut que l'eau passe. Alors. Ça, c'est fait. Est-ce qu'il est passé? L'impression. Purée. Alors, on va passer par là. Ah si. Alors attendez, on met le dernier sous l'eau. Comme ça, ça c'est un truc de fait. Hop. Voilà. Donc au niveau de ça, on est bon. Ensuite, il faut péter les torches. Toutes les torches. Non, 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 non. Non, purée, sérieux. Je suis tué. Bon, ça va parce que... Ah non, mais même pas. Oh purée. Mon stuff, faut que j'aille le récupérer. Ouais, le squelette il passera donc il me gênera pas. C'est un peu galère. Allez, allez. C'est là que j'arrive et qu'il n'y ait plus. Alors, par là c'est plus bon, c'est par ici.
Donc, normalement. Allez, là, il me reste des blocs, on sait jamais. Donc là, j'ai un peu de stuff. Rien de démentiel. Bon, alors. Voilà, tout mon stuff est resté ici, bloqué ici. Voilà. Oh, purée. Oh, non! C'est pas sérieux! Non! Oh, purée! Ça, c'est... J'y ai pas pensé du tout, là. Mais alors... Ok, bon, mon stuff a brûlé dans la lave. Génial. J'avais de la redstone. Enfin, j'avais pas grand-chose en même temps, mais j'avais... J'avais quoi? J'avais mon... Non, j'avais pas grand-chose, en fait. Mais j'avais quand même des slime balls et tout. Purée, ça saoule. Bon, c'est pas grave. Je m'attendais pas qu'un gros squelette spawn avec une armure en fer et tout. Et j'ai même plus de bouffe là, je suis bête. J'aurais dû en prendre. Allez, c'est parti en cours. Voyons voir ce qu'il reste du staff. Donc ici, les squelettes ne sont pas... Pourquoi ils sont pas arrivés? Ok, il me reste ma bouffe. Yes. Oh, ça va, il y a quand même pas mal de stuff. Ouais, bon. J'ai perdu la moitié. Bon, j'ai ma redstone. C'est déjà ça. Alors, est-ce qu'ils arrivent ou... Ouais, c'est juste un peu long, je crois. Non? Pourquoi? Et ils ont despawn? Je comprends pas. Bah là déjà faut que j'enlève la torche là-bas. Hop. Ah, est-ce que là... Non. Non, j'aimerais pas le tuer, mais là, je crois que je vais être... Non, pas le même coup, pas le même coup. Allez, on va faire ça, hein. On va aller plus vite que lui. Oula, oula, oula. Oh, purée. Pas sérieux. Non, pas encore une fois. Ah ben bientôt en fait c'est pas les squelettes qui c'est pas nous qu'on tue les squelettes, c'est les squelettes qui nous tuent. Ce qui devait se passer au départ, mais bon, comme Minecraft a évolué, on sait comment les tuer maintenant, mais bref, vous voyez ce que je voulais dire. Bon, allez, on se remet quand j'aurai récupéré mon sac. Voilà, on arrive. Alors qu'est-ce qui va se passer cette fois? Alors ici, est-ce qu'ils sont... Mais pourquoi ils arrivent pas à chaque fois? Est-ce qu'il y a un truc qui les bloque? Non, juste ils despawnent, je crois. Hein. Ouais, j'ai bien l'impression, c'est un peu bizarre. Sortir, boucher, hop. Alors maintenant... Je casse tous les blocs autour. Purée. Ah, enfin qui tombe, on va voir où il va être mené. Où ils vont être menés, j'ai l'impression. Mais ça m'étonne quand même qu'ils despawnent si rapidement les squelettes, c'est un peu bizarre. Bon, on va bien voir, hein. La lave, ça fait pas un peu de lumière? Bon, on compte maintenant, mais... Oh, coucou. Non, non. Bon, on va laisser comme ça pour l'instant, on va voir. Est-ce qu'ils arrivent? Attention. Oui. Voilà, je me suis gavé. Je me demande comment j'ai fait pour arriver à le faire, parce que franchement, je pensais que... Alors, on va essayer le truc, donc le grinder. Hop. Et normalement, après, on
juste à venir et on fait. Attendez, faut attendre que c'est fini. Après, il y a ceux qui arrivent entre temps. Hop, on fait ça et hop, il meurt. Voilà. Bon, lui, il est arrivé après. Hein. On devait mourir, mais bon. Voilà, tu vois. Ça, je vais le mettre là. Sauf la flèche. Et voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était l'usine à squelettes. La déco, on le fera un jour où on fera de la déco. Ah oui. Donc voilà. Bon, après il y a le mode récolte, hein. Vous savez comment ça marche. Ça, je pourrais l'améliorer par contre. Oh non, j'ai perdu un stack de quartz. J'ai l'intelligent là. On dirait que j'ai des chaussettes là, comme ça. Bon, bref. Lui, il risque pas de crever. Hein. J'aimerais bien quand même le tuer, voir ce qu'il donne. Alors, est-ce qu'il a looté du rare? Même pas. Lui, il a quoi là? Allez, donne-moi des bons items. Donne-moi mon plastron que tu m'as tué. Petit squelette. Non. Ouais, vous voyez, ça spawn très bien. On active le grinder. Il se retrouve à un de vie. On n'a plus qu'à taper une fois. Bon, après, il y a le problème de ceux qui arrivent après. Mais bon, ça... Vaut mieux les avoir que pas les avoir. Allez, c'est la fin. Attends, je vais peut-être remplacer ça par du verre, attendez. Voilà. Hop, on va éviter de se faire tuer. Hop. Et voilà, on voit nos jolis squelettes en train de crever. C'est quand même magnifique. Il y en a un qui est mouru. En même temps, vous gagnez de l'XP. Bon, allez. J'ai suffisamment parlé. On va se mettre. On va finir l'épisode. Hein. Sur ce magnifique squelette.